marche pas. Alida, fais tout pour que ça marche. Je ne suis même pas en train de jouer avec toi là-bas. Depuis je sais, ça ne donne pas. Je dis que fais tout ton possible pour que ça donne. Si j'entre là-bas, moi je vais couvrir ça avec le fil et l'aiguille. Moi je sais que je vais faire comment pour coller ça. Mais papa dit depuis elle te demande de me laisser aller l'aider. Comment elle va faire pour s'en sortir seule? Toi tu vas aller l'aider pourquoi? Pourquoi tu vas aller l'aider? Elle va seulement s'en sortir. Mais elle doit fermer le bon trou. Comment elle saura que c'est le bon trou qu'elle est en train de fermer? Voilà, ça ne donne même pas. Qu'elle fasse tout son possible. Je veux qu'elle redevienne comme je l'ai laissé avant d'aller en prison. Qu'elle redevienne vierge. Je ne veux pas. Arco, toi tu es déjà scientifique. Le problème c'est lequel dedans? Ton problème c'est lequel? Parce que tu dis qu'il faut qu'elle ferme le bon trou. Donc toi tu connais tous les trous. Mais toi tu dois être un peu bête dans ta tête. Tu sais pas que la femme a trois trous. Non, d'après mon expérience avec Sophie, je sais que les femmes n'ont que deux trous. Trois trous, ça se passe comment pour qu'une femme ait trois trous? Des biseaux, mais toi tu dois être un peu con dans ta tête là. Donc pour toi, quand tu vas sur une femme, tu utilises simplement, tu montes, tu descends comme le coq. Il faut savoir apprécier la femme. La femme a trois trous. Et maintenant, elle doit boucher le tunnel qui détruit ce qui énerve Babadi là. C'est ce qu'il faut boucher. Et maintenant, comment elle saura comment boucher le bon tunnel? C'est pourquoi elle ne s'en sort pas. Je demande à Babadi de me laisser d'aller boucher le bon trou. Et maintenant, lui, il refuse. Tu refuses. Comment on va donc l'aider? Comment? Tu es déjà gynécologue. Tu es gynécologue. Je ne suis pas là pour connaître vos expériences scientifiques ou bien votre technologie. On voit ça, même au, c'est parce que lui, il n'a pas vu ça au coup moins deux. Je sais qu'on ne voit pas ça au coup moins deux. Mais la science de reproduction nous montre que la femme a trois trous. C'est pas une histoire de gynécologue ou bien de ceci. Va, laisse-moi aller aider la fille. Arico, c'est toi qui as ouvert ça. Mais pourquoi tu c'est te soucies? C'est toi qui as ouvert. Tu te soucies pourquoi? Qu'est-ce que tu crois qu'elle m'excite? Je veux qu'elle redevienne vierge. Mais il faut donc bien fermer la bonne partie. Et c'est toi qui vas aller fermer. Baba dit, si on ferme donc la bonne partie, elle va faire comment pour tomber enceinte? Voilà, justement, si rien n'ancre, rien n'ancre, la grossesse n'ancre pas. Il faut alors changer de colle. Comme elle dit que ça ne donne pas, on utilise la colle à bois. On fait quoi avec la colle à bois ici? Ok, Baba dit, quand on était en prison là-bas, le menuisier qui travaillait souvent sur les bancs et les tables là, j'avais vu comment il avait collé le bois comme ça. Boum, avec une colle, ça ne s'est plus cassé. Rappelle plus les choses de la prison. Même si la colle là elle est forte comment ou bien c'est pas une question de colle ou bien de matière. Ce qui se passe ici, c'est que ça va donc bien fermer pour que rien n'ancre, rien ne sort. Mais bien, ça va donc bien fermer, mais si elle ne voit donc pas, imagine quand quelqu'un est obèse, quand tu es obèse là, est-ce que tu arrives à regarder ton bijou de famille seul? Il faut donc qu'elle soit capable de regarder pour fermer le bon trou, que ce soit la colle faible ou bien la colle forte. Et tiens, Arico, depuis quand toi tu connais même l'école? Je le vois venir. Tu parles de venir. Tu parles de. Elle est obèse. Elle est obèse. Elle fait donc des activités sportives. Elle fait seulement les activités lithiques. Donc, ce qu'elle veut donc, c'est qu'elle ferme ça comme elle a ouvert. C'est comme moi-même je veux, mais on perd le temps ici. Là, laisse-moi aller l'aider. Finalement, elle fait comment alors avec ça? Colle ça! Je veux que tu colles ça comme tu étais. Comme tu redeviennes comme tu étais. Je ne m'amuse pas. Parce que si je viens là-bas, tu auras chaud. Mais laisse donc qu'on l'aide. Tu l'aides pourquoi? Tu veux l'aider pourquoi? Pourquoi toi tu veux l'aider? Tu veux aller l'aider comment? Tu vas m'exciter là-bas. Elle m'excite quoi? Qu'est-ce qui va m'exciter là-bas? Del Piso grandit un peu. Qu'est-ce qui va m'exciter? J'ai vu, je l'ai vu étant petite comme ça, elle se baladait, elle savait les couilles. Rien ne va te faire là-bas. Qu'est-ce qui va m'exciter? On te connaît depuis toute l'école, tu crois que tu peux embrouiller les gens? Tu crois que tu vas embrouiller? J'ai dit à scientifique, reproductrice. L'autre jour, tu as parlé de la fille là que tu regardais, tu as discuté. Maintenant, je suis ma petite. Il ne veut même pas. Moi je suis là sur ta petite sœur. Moi je suis ailleurs. Mais Arico connaît déjà. Je voulais juste que tu réalises ce que tu voulais réaliser. Tu connais déjà. Tu ne connais rien. Je peux t'informer. De toute façon, je ne veux pas que tu m'informes. Non, je ne veux pas. On n'est pas là. On n'est pas là. Ne m'aide même. Tu ne peux même pas m'aider. Tu ne peux pas m'aider. Voilà, Sophie qui n'arrive pas à te reconnaître. Tu n'as rien pu faire. Là alors, c'est grave. Là, tu veux déjà déranger. Quand tu veux arriver à ce niveau-là, c'est que tu veux aller dans un temps, tu veux déborder les limites. On ne traverse pas cette limite-là parce que là, je me fâche très mal. Ne parle pas de ce film n'importe comment. Parle de tes choses. Ne la mets pas dedans parce que tu ne me connais pas. No, you know, you don't know me. Me, I'm not your friend. I can change, I'm très mal. I'm very serial killer. Gma bimwa.
Wewom Nsi, crème, je vais te frapper, tu auras mal. Que ce soit la première, la dernière fois que ce nom-là sort de ta bouche. Vraiment. Qu'est-ce qui se passe? Que quoi? Depuis là, tu sais, binga vous anglais, binga oh là-bas en prison, tu as parlé. Non, c'est parce que tu as parlé ce que tu ne devais pas parler. Quand tu parles de ça, dans ma tête, ça se chamboule. Je mélange tout, français, anglais, wonde, tout. Je mélange tout dedans. Donc, n'essaye plus. Bon, mademoiselle, arrêtez. Ah non, arrêtez. Tu fais quoi là? Bonjour. Tu fais quoi là? Comme ça, quand madame quitte la maison, elle dégrépille avec les clés. Quand je partais, j'ai laissé ton frère à la maison. Voilà qu'elle est ouverte. J'ai laissé ton frère ici quand je partais. Je vous ai déjà dit dans cette maison que tout le monde devrait avoir le double de ses clés. Et tu dis à qui? Ce n'est pas toi l'homme de la maison. Je ne l'ai pas fait. Je crois avoir donné une clé à chacun de vous. Maintenant, c'est la mienne que vous utilisez. Quand tu as constaté que les clés se sont déjà perdues, si tu étais un vrai homme, tu devais refaire le double des clés. Ah bon? Il faut revoir ta façon de me parler. Hein? Tu dis ça? Non. Dans ma tête, je ne vois pas une autre façon de te parler à part comme je suis en train de le faire maintenant. Monsieur... On laisse le frère à la maison. Il sort avec la clé comme s'il était dans sa maison. Ce qui sert même de mari est assis à en plein 9h. Monsieur est assis, il veut la clé de la maison comme s'il avait une maison. Je pense même que tu es de connivence avec le chef. D'habitude, tu n'es pas souvent à la maison à l'heure. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure-ci là? J'ai dit à cette histoire de chef-là, n'est-ce pas, de m'enlever dans son soi-disant comité de vigilance. Parce que Beauvin n'a pas fait une formation militaire pour ce genre de choses. Que quoi? Comme tu as entendu là. Non, si je comprends bien, tu as démissionné. Tu blagues très mal avec ta vie. Donc tu as perdu ton travail. Ça, j'ai toléré parce que je savais que tu étais au comité de vigilance, à la chefferie. Ça, l'autre là encore, tu as perdu. C'est pour que je fasse comment? Mon honneur est mis en jeu. Je ne peux pas accepter qu'on me piétine. Quel honneur, tu as l'honneur. Donc moi, je ne peux donc plus provoquer au quartier parce que je sais que tu vas me défendre. Monsieur ne travaille plus, tu n'as plus rien. Même le petit poste, le mini... Non, franchement, tu me déçois. Tu vas te lever là maintenant. Tu vas rentrer à la chefferie, demander pardon au chef. T'agenouiller s'il faut. Stéphanie, jusqu'à preuve du contraire, je crois que c'est moi qui t'ai épousé. Donc, il faut baisser ça. Attends d'abord, tu m'arrêtes ça. Moi, j'ai épousé un militaire et non ça. Je suis gendarme. Tu avais l'arme, non? Oui. Tu tuais les gens, non? Oui. Finalement, tu ne sais même pas ce que tu travaillais. Regarde-toi. Regarde comment tu fais pitié. Va demander pardon au chef, c'est tout ce qui te reste à faire. Tu n'as pas de maison. Tu vas vivre où sans travail? Tu penses que tu peux vivre dans la maison de mon père sans travail? Tu m'as épousé. Et puis quoi encore? Moi, je pars là. Ne me cherche pas. Je cherche quoi sur toi? Peu importe le nombre de temps que je mettrai là-bas. Qu'est-ce qui peut bien me manquer sur toi? Regarde-toi. Regarde. Le loyer, tu ne payes plus. La ration, tu ne donnes plus. Regarde-toi. Quand tu pars là, si tu vois ton petit frère là-bas, dis-lui de venir me remettre ma clé. Moi, je ne suis pas dans vos choses que vous faites là. Et on va donner une binaire.
Depuis quand tu parles anglais? Anglais? Oui, tout à l'heure, tu as parlé anglais avec l'enfant là. C'est normal, chérie. C'est normal, c'est très normal. Je suis quand même la femme du chef. J'ai le droit de parler l'anglais, l'arabe, le français. Vous me détournez? De quoi? De quoi? Je voulais juste lui montrer que lui et moi, on n'est pas au même niveau. Tu as vu comment ils t'ont manqué de respect? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'étais juste défendue. Un chef qu'on ne respecte pas. Un chef et quand on ne respecte pas, c'est un constat. Tu ne pouvais pas lui parler en français? Ah, Seigneur, tu voulais vraiment... Je ne vous comprends pas, vous, les hommes. Je ne vous comprends pas. On arrive ici à la maison, je t'offre un bon verre de vin. Tu n'arrives même pas à dire merci, ni même à le boire. C'est comment? Est-ce que tu dis que tu ne devais pas boire? Mais bois donc, chérie, c'est comment? Moi, je n'aime pas te voir stresser. On veut te mettre à l'aise, tu veux toujours garder les choses dans ta tête. Je bois. Ah... Ça a l'air intéressant, hein? Voilà. C'est comment? Ça va. Ok, tu sais, moi, j'aime pas te voir stresser. Tu sais, c'est pas bon pour ta santé, le stress. Non, tu sais que tu es l'amour de ma vie. Ça va. Tu es toujours fâché pour l'engrais? Non. Je suis plus fâché. Ok. Mm-hmm. Là, ça me rassure. J'espère que ça va. Ça va. Ok. Bon, là, moi, je vais rentrer à la cuisine. Oui, parfait, ta cuisine. Encore toi ici? Je t'ai demandé de me prévenir avant d'arriver chez moi, non? Kashi, tu n'as toujours pas trouvé une place dans ton cœur pour me pardonner. Je n'ai pas toujours trouvé une place dans mon cœur pour te pardonner. Tu te rappelles de ce que tu m'as fait? Tu te rappelles de ce que tu m'avais dit, non? Pendant que moi je t'aimais sincèrement, tu m'as demandé de te laisser tranquille pour que tu te concentres sur ta femme. Tu te rappelles? Je regrette amèrement ce choix. Ok, continue de regretter. Pendant ce temps, moi j'ai déjà quelqu'un dans ma vie et je compte faire ma vie avec la personne. Tu n'as plus intérêt à revenir me chercher chez moi. Donne-moi un peu son nom. Quoi? Tu as fait quoi avec son nom? Son nom? Qu'est-ce que tu vas faire, le menacer? Tu ne représentes plus rien dans ce pays. On t'a relevé de tes fonctions, tu vas faire quoi? Tu vas le menacer? Donne-moi quand même son nom. N'importe quoi. Bouge de mon chemin. Kashi. Bouge! Je t'aime toujours. Oh, Manzon! Ouais. Kashi, c'est toi que j'aime. Arrête de me courir après. Si tu es venu chez moi parce que tu as faim, je peux te servir à manger. Si c'est pour autre chose, tu cours dans le sac. Tu aimes trop ta femme, non? Tu peux partir chez toi. Et d'ailleurs, même je n'ai pas de nourriture à te donner, va chez toi. Il vient me voir pieds nus comme un jeune veuf. Kashi. Regarde, maintenant tu as honte. Regarde comment elle fait. Tu n'as même pas honte. Aucun sens de responsabilité. Hein? Tu veux faire quoi de ta vie? Tu vas aller en prison? Moi, je ne vole pas. Moi, je ne vole pas. Donc, moi, je vole. On te laisse à la maison. Hein? Que tu es responsable. La maman est partie au village. Elle allait faire les champs. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que tu as laissé ici. Tu laisses transformer la maison en bordel. Hein? Tu prends un ambassadeur, tu viens le mettre ici, tu viens habiter avec un gars ici. Il te fait dans notre maison. Il te fait dans notre maison. Hmm?
Espèce de faiseuse. Voilà ça, parce qu'il t'a fait. Ça ne colle plus. Je dis colle, tu ne... ça ne colle plus. Babadi, Babadi. Je veux la mangue. Le okay. Piso, moi je suis en train de résoudre les problèmes d'État. Tu viens me parler des problèmes de mangue. Ton grand frère. Hein? Il le fait pour toi, par amour pour toi. Ne t'abîme pas. Laisse, laisse les conseils à cause. Avec elle, ça ne marche. C'est la brutalité qu'il faut. Alida, sache que ton grand frère t'aime. Il a juste une main de fer dans un gant de velours. Ok, Haricot, toi aussi avec tes expressions là, comment une main de fer peut être dans un gant de velours? Toi, tu es d'abord bête, tu veux comprendre quoi? De toutes les façons, gant de velours, main de fer, ce n'est pas de ça qu'on parle. Si, va à la maison. Va là-bas à la maison. Regarde ce qu'elle fait. Haricot, et tu fermes la porte là derrière. Haricot me demande de te dire que qui aime bien, chante bien. Va châtie à la maison. Bien, châtie bien. Ah, les gars, nous dispersons pas. Mon objectif, c'est moi, Minga, et c'est là-bas que je m'en vais. Oui, oui, moi, Minga. Tes frères sont où? Ils sont partis. Et mes affaires? Il a tout brûlé. Tes frères ont brûlé mes affaires? Seigneur Jésus. Ma carte d'identité, mon acte de naissance, il a brûlé. Il a brûlé. Et tu as laissé? J'allais faire quoi? Tu connais mon frère, j'allais faire quoi? Seigneur Jésus. Regarde même mes cheveux, il a coupé, brûlé. Moi je fais alors comment maintenant? Mais tu vas refaire non? Et tu sais comment c'est difficile de faire une carte d'identité ici au pays? On part chez toi, non? C'est moi où? On part chez moi où? Moi, n'ai pas de maison. Vous êtes riche, non? On n'est pas riche, je mentais. Tu mentais? Oui, je mentais. Tu crois que quoi? On s'était tamponné là-bas au Carrefour. Quoi que je suis venu m'installer chez vous en tant qu'ambassadeur parce que j'avais quelque part encore où aller. J'avais la nourriture gratuite, le coco gratuit, où dormir. J'étais à l'aise. Maman, pardon, rentre chez en toi. En tout cas, ce n'est pas grave. Moi, je t'aime. Je veux rester avec toi. Non, on n'aime pas les gens dans le champ de maïs. Je m'en fous, car laisse-moi. Pas d'abord chercher mes affaires. Pas. Ouais, je veux rester avec toi, non. Mon frère est là-bas. La fille, il va me tuer. Seigneur Jésus-Christ. Tu pars où? Moi, je vais pas mourir. Attends, fille, moi, non. Tu n'es pas mourir, non. Attends, moi, je veux mourir avec toi. Tu pars où, moi? On va mourir ensemble. On t'a dit qu'on est dans Novelas ici. Rentre là-bas. Attends, moi, non. Oui. C'est moi. Où? Quand? Ok.